Du coup, on est reparti. Première chose à faire, apprendre à utiliser les tribunes. Donc je vais les poser, on va voir ce que ça fait, et on les détruira après pour les poser en fonction de comment ça fonctionne sur le prochain enclos. Hein? Voilà la priorité absolue, comprendre comment ça marche. Et d'ailleurs, merci les chaînes de replay. Non, mais j'en profite parce qu'on en parlait sur Twitch. Merci. 1000 vues sur la première vidéo en 24 heures sur cette série. Ça fait plaisir. On sait que ça va redescendre fortement après. Surtout que c'est la chaîne de replay. Mais 1000, ça fait plaisir. Alors, service. Tu vas voir, c'est simple les tribunes. Ouais, mais en fait, je sais pas comment ça marche. Tu sais, où est-ce qu'ils montent, comment ils montent. Voilà, je vais voir. Toujours presque imberbe, mais on me demande toujours ma carte d'identité dans les bars. C'est pas la même communauté, Twitch et YouTube. Non, c'est sûr que c'est pas la même communauté. Mais, en fait, t'as des chaînes YouTube, Twitch de replay. T'as des chaînes Twitch de replay. De très gros streamers qui ont genre 200, 300, 400 000 vues. Enfin, abonnés sur leur chaîne. Et qui font 3, 4 000 vues sur leur vidéo, quoi. T'as des chaînes de replay de gros streamers qui font les stats de ma chaîne YouTube principale. Tu vois. Alors qu'à côté de ça, sur Twitch, ils sont 1500, 2000 sur leur live, quoi. Salut Zatorex, comment vas-tu? Alors certes, c'est pas le même public, mais ils ont quand même les abonnés. Je suis perdu, c'est où? C'est dans service. Tu vois, là, je la pose où en fait? Je la pose là, ils peuvent y aller? Ou je dois la poser sur la route? Les chaînes VOD. Ouais, c'est ça, les chaînes VOD. T'as des chaînes VOD de gros streamers qui font pas des grosses stats hein, sur YouTube. Alors, ils s'en fichent parce que c'est Twitch, hein, mais. Je sais pas où je les pose. N'importe où. Là, ils vont monter alors que c'est à. Bon, je pose, on verra. On va tester ça. Merci pour les applaudissements. Lié au point de présentation des animaux. Aucun point de présentation sélectionné. Ah, alors attends. Borne d'éducation. Point de présentation? Présentation. Point de présentation. Ah. Ah. Note d'environnement. Ouais, ça va. Associer le gradin. C'est fait, ça. Et du coup, on peut parler de la loutre. Ah, tu peux poser sur l'herbe, il faut juste que l'associer avec le formateur. Mais les gens vont monter? Ah, j'ai pas de formateur. Faut t'associer toi au machin ou pas du tout? Ça va marcher tout seul là? C'est pas toi, Anastasia. C'est Cécilia Patel qui m'intéresse. Faut faire une zone? Oh non. À l'époque, faut faire une zone. C'est chiant les zones de travail. Enfin, je veux le faire, mais je veux le faire après. Ça peut marcher seul, mais mieux de l'associer. Mais du coup, tu l'associes à une zone de travail. Je viens de sortir une vidéo sur YouTube. Ouais. 16 h, ouais. Attends, moi je vais créer une zone. C'est test, hein. Pas de salle du personnel. Alors, attends. Du coup, toi, non. Allez, je veux voir comment ça marche. Elle se barre. Attends, mais elle a déjà les épaules blessées, baissées, on vient de la travailler, quoi. Enfin, on vient d'embaucher.
Mais ça, là, ça marcherait, là? Parce que si là, ça marche... ça me va, hein. Ah, mais du coup, tu pourrais les mettre... T'es pas obligé de les mettre là? On pourrait les mettre là, genre. On peut faire vraiment des gradins de visibilité. Ah ouais, c'est sympa. Du coup, tu fais ça. Ça marche, là? Les gens s'assoient ou ils s'assoient pas? Personne qui vient s'asseoir. Ils peuvent y accéder, là? Faut que tu mettes un mois pour la présentation. Ah ouais, il y a cette histoire-là, c'est vrai. Note de l'environnement. Eh, écoute, ça va. Autoriser les visiteurs debout. Ah ouais, mois de mars. Mois de février. Ah ouais, bien vu. Ok, c'est l'heure de la présentation. Ah, février, année 16. Un an. Ah. Mars, année 15. Oh, les gens s'assoient. C'est extraordinaire. Les gens sont partis. Prochaine fois. C'est très bizarre. On est mars là. Je fais la présentation en avril. Les gens viennent. Et une fois que le mois de mars, enfin une fois qu'on arrive au mois d'avril, les gens s'en vont. Ah non. Là il reste. Ah là il reste. Et madame elle est là. D'accord, ok. Ouh. D'accord, ok, ça marche. On l'a compris. On l'a compris. Sympa de faire découvrir Planet Zoo à un débutant. Bah écoute, ce gameplay là, je le connaissais pas. J'avais arrêté de jouer avant. On supprime. Bon, maintenant qu'on l'a compris. Hop. Disparition de tous les gens, ça enlève un petit peu de monde. Du coup, ici, c'est enclos ours balai. Hein, parce que c'est Asie. J'avais dit capybara hier, mais non, c'est ours balai. Hein, avec binturong. Ours balai et binturong. Une petite espèce d'ours qui vit dans des forêts pluviales tropicales d'Asie du Sud-Est. Et sa fourrure va du brun à un, ok. Vietnam, Thaïlande, ouais, ok, ouais. Et ben, binturong. Le mammifère. Cet animal est menacé par la perte de son habitat, ainsi que par la dégradation et la fragmentation de celui-ci. Du fait de la déforestation. Ça marche. Ils entendent quelque chose du formateur avec le monde, là? Bah, écoute, c'était un test. C'était avant tout un test. Alors, la question, c'est est-ce que je vais pouvoir creuser la route en dessous là. Oui, on peut. On peut et ça c'est bien ça. Parce que là on va mettre de l'eau. On est déçu. On est déçu. Bonjour Lucicia, comment vas-tu? J'arrive tout pile poil pour les nounous. Exactement. Attendez, je vais essayer de mettre la hauteur pile poil.
Salut Cat Guru. Moi je préfère une hauteur pile poil. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne hauteur ça. On l'aime cette hauteur. Là qu'on enlève ça. Alors du coup, on va faire tourner la route par là. Et je ferais bien un petit point de vue avec les tribunes du coup vers l'avant. Si c'est possible. Parce que dans l'absolu, on doit pouvoir, j'imagine, faire un truc avec la... On peut le mettre là? Ah, faut le mettre côté route, forcément. Ah, c'est dommage. Donc, il y a peut-être moyen. Heureux. Sale au maître. T'as déjà joué à Valheim? Non, j'ai jamais joué à Valheim. J'ai jamais joué. Non. On va pas faire ça. Bonjour Captain Sparrow, comment vas-tu? On va pas faire ça, on va partir sur... Je vous dis, c'est un super jeu. Ouais, mais voilà, il m'a l'air cool, mais après, c'est... C'est pas forcément mon style de jeu. Parce que sachant que là, faudrait voir la taille que ça fait. Et surtout, j'aimerais emmener la rivière... par là. Ça va être une cascade qui va tomber jusqu'en bas. Voilà. Puis après, bon, c'est tellement haut que forcément, l'eau disparaît. C'est pas grave. Et bonjour Franzini, comment vas-tu? Il y a eu un nouveau boss récemment. Ouais, mais j'ai jamais joué, donc... faire un truc comme ça. Je pense qu'ici je vais mettre une route avec un point de vue ici. Enfin avec des tribunes. Ah ou alors je le mets là. Ah ouais, je pourrais la mettre à l'écart ici. Tribune ici. Tac, vue là-dessus. Ah ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien l'idée. Tu peux faire un tour rapide pour vous, ce que j'ai eu, ok, please. Bah, j'ai rien. Enfin, je viens de démarrer. Hein. Donc, on a discuté pas mal au début de live. Donc, voilà. Donc, ici, on va mettre la... On va mettre la tribune. Donc, on fera un petit chemin, tribune, et les gens pourront parler. Ours. Ours, ours, ours. Je ferais bien un truc un peu plus élevé, là. On fera un peu mieux de la terraformation après. On fera une meilleure terraformation plus tard. On va juste faire passer là. Parce que de toute façon, on a toute la vue ici, la tribune là, et on aura une vue avec la route qui va venir là. Enfin, qui va aller là. Donc à la limite, on pourrait... comme ça. C'est pas choquant. Il y a moyen de faire une caverne pour les ours? Ouais, c'est ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est pour ça que j'ai monté là. Je vais faire une grotte ici. Comme ça, quand on sera dans la tribune, on verra l'entrée de la grotte là. Là, on aura du coup la route qui va venir là. On va la faire d'ailleurs, cette route, comme ça elle est faite. Tac. En 8.
Voilà. Et elle repartira par là. Et ce sera la route qui partira vers la prochaine île. Si on doit couper ici, on coupera là. Hein. C'est pas gênant. Je vais regarder le live. Je pense me coucher à 18h car je commence à 4h encore demain. Ça marche. J'ai commenté ta vidéo et liké. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pa, 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 pa. Attendez, je suis en train de réfléchir. J'ai un plan, je crois, mais c'est... Resto. Ouais, au final, ça fait pas forcément... Ouais, non. Ça fait presque Afrique, je trouve. Après, il y a des tamariniers, donc ça ira pas en Afrique. Parce que j'aurais bien posé ce petit resto... Il y a une cascade, c'est stylé, hein. Bon, on le mettra ailleurs. Ça fait très île, ouais. Ça fait pas trop Asie, en fait. Et ça fait pas Amérique du Sud non plus, du coup c'est un peu galère. Alors... Je pense que la taille de l'enclos est pas si mal là. Si je m'emballe pas trop. Combien il faut d'ours mâlés? Baturong, c'est combien déjà? Ah, 2 à 5? Ah, on peut mettre un petit groupe quoi. 2 à 5. Et ours mâlés. 1 à 2, ouais, donc un couple. Y'a quoi dans ton premier enclos? T'as pas regardé le replay? Oh, ça me fait un peu de peine. Il y a loutre cendré, orang-outan et tapir, hein, si je dis pas de bêtises. Ok. Comme ça. Et je voudrais faire... Ah, attends, on va utiliser ça, là, dis donc. C'est vrai que ça existe, ça, maintenant, trop bien. Oh, la pente et tout. Oh là là. Ça, c'est une bonne mise à jour. Hein. Ça, c'est une très, très bonne mise à jour. Hein. Ah, ça, on aime bien quand même. Ah, si. Si, ça, on aime bien ça. Si, j'ai regardé le premier, mais pas le deuxième replay. Ça marche, bon, ça va du coup. Je t'en veux un peu moins. En parlant de doute, je me suis encore occupé d'une loutre maintenant. Ça me fait penser à chaque fois à toi qui galérais hier. Ah, toi, c'est un peu moins galère, je pense, pour les fuites. Parce que dans le jeu, proportionnellement, il y a un problème de proportion dans le jeu, de toute façon. Comme ça, ils vont pouvoir monter là. Du coup, je vais fermer, enfin, je vais faire l'enclos. On va le faire comme ça. Attends, mais je vais pas pouvoir mettre l'eau. Faut que je ferme. Très bien. Calcul. Tu m'étonnes, il y a une telle quantité d'eau là. Le jeu, il est en train de dire vraiment, tu veux que je gère ça là? Oula, je veux pas savoir faire. Ouais, mais ça tombe bien, je veux pas que t'en mettes. C'est la première fois que je viens sur un live Twitch, j'ai 560 pièces. J'économise les 250 000. Oula.
Bah écoute, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on te reverra. Et moi, je suis content si je te revois. Ok. Du coup, là, on a là. Il faudra que je mette la cascade ici, hein. Il faudra que je mette la cascade. Clôture. Hop. Ce sera clôture invisible de toute façon. Donc on va mettre. Ah, Entrée habitat en bois. Oh, trop bien! Petite entrée. J'avais pas vu ça. Je mets ça. Je mets cela pour voir ce que je fais. Moi, je suis à 194 000. Ah oui. Ah, merci. Oh, ça passe pas? Oh, qu'est-ce qu'on est déçu. Ils vont pas se jeter là. Dans l'absolu, ça se jette pas les animaux. Ou est-ce qu'on est comme dans Jurassic World Evolution où ils vont descendre et marcher Et à un moment, ils peuvent plus y aller. On va tester. S'il y a 2-3 points de fuite, on les modifiera. Pour être sûr, je te conseille quand même de clôturer. Bah, je vais voir en fonction des points de fuite. Ça. C'est bugué. Le chiffre est trop grand pour être marqué, alors j'ai juste 999 000. Bah, mais c'est ce que tu dépenses pas quand on fait des prédictions. T'offres pas de points aux abonnés. Je vais faire terrain ici. Bonjour à Team Blue, comment vas-tu? Un nounours volant, ça se teste. Je suis pour aussi. Je valide cette idée. Ah oh ouais, un nounours. Eh ben attends, mais de toute façon, c'est l'île. C'est le. C'est les. Voilà. C'est le zoo du paradis des animaux. Hein. Si on a un ours qui vole, c'est pas choquant. Petite entrée en bois, fais voir un peu comment ça ressemble. Ah, c'est pour les petits enclos, quoi. D'accord. Voilà. Je mets là. Un peu galère, mais on verra pour caser la tribune après. On va déjà mettre les animaux. Un ours en delta plane. J'ai la ref. Parce que les prédictions d'une, c'est souvent moi qui m'en occupe. Et deux, je ne peux pas mettre deux points sinon je peux. Ah, c'est pas vrai. On en a fait énormément avant les vacances des prédictions. C'est moi qui les ai toutes faites. Parce que t'étais pas là.
Mais du coup, c'est pas vrai. Ok. Bon, on achète. Échange d'animaux. Espèce. J'ai vibré. Que se passe-t-il ? SNCF. Faut que je supprime l'appli. Ours malé. Elle amène O. O U. RS. Confirmé. Oh. On prend le plus jeune. Même s'il n'y a pas de mort hein, dans mon truc. Tac. 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 Envoyé dans le zoo. Ok. En vrai, je retourne au taf et je teste pour vous l'ours qui vole, si vous voulez. Bon courage. Bon courage. Je suis pas sûr que ça va marcher des masses, mais... Je veux bien l'info. Voilà les ours balés. Voilà l'ours. Kandra. Légèrement plus petite. Waouh. Vous allez être dans un bel enclos. Un peu enfermé comme ça en contrebas, ça va être joli. Si, si, je vous le dis. Après, c'est Binturong. SNCF toujours en retard, mais pas pour rien. Arrête, j'ai pris le train là pour revenir des vacances. Il y avait un monde. C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu le contrôleur du train arriver en gare, dire aux voyageurs en train de monter. Le train est actuellement plein pour les voyageurs. Merci de prendre le prochain train pour Paris à 17h38. Ah bon ? Les trains complets, bah, j'en ai déjà vu. Mais le contrôleur dire aux gens qui sont sur le point de monter, non, non, tu peux pas monter. C'était Binturong. C'était blindé, quoi. Le G ne se dit pas, le Binturong. Binturong. Merci pour l'info. Binturong qui vit jusqu'à 5, du coup, c'est ça. On va prendre deux femelles. Croyons que toi, à la taille... tout petit. Hop. Ils vont s'enfuir, hein, les vaisseaux, là. On le sait. Ah non, ils nagent. Oh, ça nage haute. Là, il finit quand ? Si, il se bat. Eh, on t'a vu, hein ? Tu vois quand t'as pas repéré ? Encore, il y a des métiers où ils poussent des gens pour qu'ils rentrent. Ouais, après... Ah, il y a quelques points de fuite, mais c'est ce qu'on a mis le truc un peu trop bas. Et là, forcément, comme ils peuvent passer ici, évidemment... Bah ça fuit là. Mais heureusement on a tout prévu. Clôture. Enfin, on avait pas prévu qu'il court aussi vite. Mais on a tout prévu. Terrain. Tac. La barrière. Tu ne passeras pas. Vous ne passerez pas. Donc, il finit quand ? J'ai pas compris. Ah, c'est vrai que j'ai pas répondu. Il finit... Il finit, voilà. À la fin. Non, il finira sans doute vers... Je vais juste mettre mes clôtures plus basses. Vers 19h30, 20h, je pense. 18h30, 19h... Non, un peu plus tard, du coup. Mais c'est l'horaire habituel, donc merci. Et un peu plus tard. Si je mets plus bas, normalement, ils peuvent plus fuir. Ça, c'est pas mal fait. Quand tu vas faire la caverne ?
Bah, je vais creuser une dent. Simplement. Ça fuit encore. Ça ne fuit plus. Ah, ça c'est beau. Fais voir à quoi ça ressemble la peinture. Oh, c'est pas très beau, hein. Si. On dirait un mélange entre un furet et un chat. Non? Ah, et ça nage pas. Ils font pas d'efforts. Pas ces saloperies, c'est pas bien? Attendez, parce que s'il nage pas, déjà, on va... Je vais mettre du courant dans cette rivière. Oh la vache, mais il y a tellement... Mais vous allez faire effondrer le fond, hein. Le pont, hein, il est pas prévu, hein. Il est pas prévu pour ça, le pont, hein. Un petit côté râteau laveur. Mais oui, c'est trop mignon. Ah ouais. Entre une loutre et un renard, j'aurais dit. Ouais, bon, ça peut préparer. Fais un pont naturel. Ouais, c'est ce que je vais faire. Faut que je teste leur agilité. Bon, du coup, là, on est d'accord, il n'y a pas de fuite. Pour l'un comme pour l'autre. Voilà. Il faut que je vois pour tropical et climat tempéré. Et toi, c'est quoi? Tropical et climat tempéré. Mais ce sera que tropical. Et Asie. Nature. Biome. Tropica. Contera. Asie. Très très bien. Est-ce que si je mets un arbre comme ça, il passe. Je mets des cailloux. Et pourquoi pas les cailloux? C'est pas vrai. Est-ce que ça saute à un peinturon? Faut tester. Tiens, si je te mets ça là. Attends, je suis sur l'ours. L'ours, il saute pas, c'est pas très surprenant. T'as l'air d'avoir un peu de mal. Le cri du facochère. Le truc, c'est qu'à chaque fois que j'envoie des différents os, il va me bouffer. Ah bon? Bon, ça a pas l'air d'être très agile. Ça m'arrange pas. Alors, attendez, on va essayer de s'arranger en mettant des petits cailloux qui vont faire un peu genre dalle. C'est le plus petit que j'ai, ça? Je pense, hein. Ouais. Ouais, c'est le plus petit que j'ai. Attention, j'ai l'ours. Que ça passe là. Oui, ça passe. Parfait. Si eux passent, les gars passent aussi. Tu pourrais mettre une branche avec pour faire style. Ouais, ouais, je vais mettre. Par contre, je vais peut-être pas mettre ce rocher là. Ah, ou alors on peut les. Non, je vais pas mettre ces rochers là. Je vais mettre ceux-là. Dans l'eau, c'est quand même un peu mieux. On s'arrangera pour décorer un peu mieux, hein. Je m'arrange juste pour qu'il passe. Ça a recalculé, hein, déjà? Apparemment. Et du coup, il fuit pas plus, il fuit pas plus. Malgré le fait qu'il descende, mais on a mis la clôture assez bas. Donc c'est bien. Très bien, très bien. Donc il n'y aura plus qu'à décorer ça pour faire en sorte que ça soit joli. Oh, il est en train de passer déjà. Qu'est-ce qu'il fait lui là? T'as vu un saumon? Est-ce que... Il est en train de pêcher!
On attend le saumon. Ouais, mais on est dans un zoo. T'en trouveras pas, là. Hein? Ah non. C'est quoi le jeu? Vous avez reçu un paquet de cartes? Le jeu, vous avez reçu un paquet de cartes? Comment ça? J'avais entendu le call en rut, mais ça, j'avais. Ah, pour le facochère. Bon, ça m'a pas l'air mal. Ça m'a pas l'air mal. Le truc qui va être un peu galère, ça va être, du coup, la gestion. La gestion de la tribune. Donc, on va s'occuper de ça d'abord. Longueur minimale. Je veux pas associer à la route ici. Bon, remarque, on pourrait. Pourquoi on pourrait pas? Si je fais un truc comme ça, et que derrière je mets une tribune, je peux. Et on peut même en mettre plusieurs. J'en mets deux. Gradin présentation des animaux, rampe droite. Rampe marche. Rampe droite. C'est pour l'arrière, du coup, ça, j'imagine. Éviter que les gens tombent. C'est un peu moche. Attends. Je pense que c'est pas si mal. Faut pas la juger toute seule. Faudra la juger quand on aura décoré. Par contre, il va y avoir un monde sur cette petite route. On pourra juger, donc c'est pas fini. Première règle de la chaîne sur Planet Zoo. Exactement. Je peux changer la couleur. Oh, j'ai regardé. Désolé, non, mais t'inquiète. Tout va bien. On a l'habitude du jugement. Juste que, de toute façon, tout seul fait est moche. Ce qui est beau, tu vois, regarde, moi seul, je suis moche. Par exemple. Par contre, quand tu me mets dans un groupe, waouh. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça marche comme dans la vraie vie, par exemple. Tu vois un caillou seul, c'est un caillou. Tu vois plein de cailloux, tu dis, waouh, dégalé. C'est beau. Une feuille morte. C'est une feuille morte. Tu vois plein de feuilles mortes par terre, waouh, c'est l'automne, c'est trop beau. Elle est déjà extraordinaire. Sinon, rien à voir, mais tout à l'heure, j'ai fait un excès de vitesse. Eh ben, bravo. Eh, c'est pas si mal, hein. Par contre, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde. Faudra voir à quel point il y a du monde, quoi. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faudrait qu'on élargisse la route. Il y a du monde qui utilise ça? Bon, ce sera blindé, et puis c'est tout, hein. Sera blindé et puis c'est tout. J'ai pas envie de mettre une grosse route. J'ai envie que ce soit un peu à l'écart. C'est pas grave le monde. C'est vrai que c'est pas grave. S'il y a du monde, c'est qu'on gagne de l'argent. Et l'argent, c'est la vie. Hop. Parfait. Bon, du coup, là, il va y avoir point de fuite forcément. Hein, évidemment. Donc, on va mettre des cailloux. Nature. On a vu que c'était pas très agile, donc c'est assez positif.
devrais pouvoir juste mettre un truc comme ça. Pour les empêcher de passer. Voilà, parfait. Est-ce que c'est pareil pour l'ours? Parfait. On n'aura plus qu'à faire la déco pour que ça passe correctement. Eh! C'est nos premières tribus. C'est pas ma faute si ma bagnole a 450 chevaux. C'est pas passé pour les gendarmes. Ouais, ouais, non, c'est sûr que... Je suis pas sûr que ça marche. Pas de clôture. Même là, au final, on est même pas obligé d'en mettre. Non, mais les gars... Non, mais ça, par contre, pardon. Ils ont le don d'aller regarder des endroits où on voit rien. Puis après, ils vont dire, oh, on voit rien. Bah, forcément. Ça, je vais le laisser. Ouais, je vais le laisser comme ça. Et c'est pas si mal, hein. Et j'ai pas vu la taille de l'enclos. C'est bon. Zone d'escalade. Oui, bon, ça, c'est pas très gênant. Ah, zone d'escalade aussi? Ah ouais? Oh. Intéressant. Herbe longue, herbe courte. Moins d'herbe longue, plus de terre. Ah, ils veulent un peu d'eau profonde? Ah, ils pourraient nager en... Ouais, d'accord. Ouais, bon, après, c'est des ours, quoi. C'est pas un peu dangereux s'il y a des gamins qui tombent, c'est pas ouf. Comment ça? Ici, là? Non, mais on fermera avec des petits cailloux. Et puis une barrière aussi, comme ici, quoi. Mais il n'y a pas de clôture. Je vais enlever terrain, du coup. Plus d'herbes courtes et plus de terre. Mais il y a tout ça en terre déjà. Oh, c'est triste. J'enlève, mais... Bon, on a assez de terre. Elle est où l'herbe longue, là? Elle est là? Ah mais attends parce que... Merci beaucoup, bienvenue Nathan l'ermite. Bienvenue à toi. Là à la limite cette clôture là je pourrais la modifier. Maintenant qu'il passe pas, j'en suis sûr. On peut faire en sorte que l'enclos soit plus petit pour équilibrer un petit peu les pourcentages. Pour faire une barrière, c'est pas trop moche. Non, ça va aller. Plus de terre pour eux. Hein. Et encore moins d'herbe longue. Mais attends, mais de l'herbe longue, il n'y en a pas tant que ça. J'espère qu'ils calculent pas ce qu'il y a en dessous. Hein. En vrai. Elle est où toute l'herbe longue là? Me dis pas que c'est ce qu'il y a en dessous de l'île. Hein. Non, il n'y a pas d'herbe là. Elle est où l'herbe longue?
Il y en a là. Il y en a là. Et c'est en bas de l'herbe. En vrai, il en reste encore. C'est marrant parce qu'ils en veulent quand même un petit peu, hein, mais le peu que j'ai, ça représente énormément, quoi. Ça m'inquiète. Il m'en manque pas là. Ah, il y en a. Quoi? Dommage, c'est beau l'herbe haute, ouais, je suis d'accord. Mais ils en veulent pas, quoi. Je vois pas où il m'en manque, là. Donc, à part en dessous... Oh, ça touche pas au pourcentage, donc c'est pas ça. Ça touche pas au pourcentage, c'est pas ça. Ce serait où à votre avis? Peut-être que ça va encore calculer. Ah, j'ai pas mis play. Si, parce que ça calcule automatiquement. Parce qu'on était à 27, on est descendu à 24. Bon, sur les bords, là, j'ai rien. Ah, ici, il n'y a rien. Sous les gradins, c'est pas dans, dans l'enclos. C'est pas dans l'enclos. Après, ça m'a permis d'en enlever un peu quand même. Je suis passé à 23. Sous l'eau. Non, dans l'eau, ça prend pas en compte. Puis c'est de la terre. Ah, il y a une petite touffe ici. Mais non, on t'avait pas vu. Encore une petite touffe ici. Une petite touffe là. Ce serait pas de l'herbe qui est sous la mat de terre. Comment ça, sous la mat de terre? Là en dessous, tu veux dire? Au fond, sous le pont. Non mais en même temps, ils disent 23% de l'enclos est constitué d'herbes hautes, on n'en voit même pas. Même si il y en a là-bas, c'est pas ce qui... Non, c'est pas possible. Non, il y en a pas. Pas très clair tout ça, hein. La matière que t'as rajouté pour faire... Non, parce que c'est plein. Ça, c'est plein. Ça, si je creuse ici, c'est plein. Alors, ça installe l'herbe haute. Mais, parce que ça creuse en mettant de l'herbe haute, quoi. On est en application auto. On dit tant pis. On dit tant pis. Peut-être sous l'île. Ah, je viens de regarder, ça n'a pas d'impact.
très étrange. Eh, ça a enlevé un petit pourcentage là. On est à 20% de terre et 22% d'herbe. Ici, c'est pas compris le temps. Tu peux me montrer ton zoo? Ça fait longtemps que j'étais pas allé sur ta chaîne Twitch. Salut Starol. Bah écoute, si t'as regardé la chaîne de replay, on est à jour hein, sur la chaîne de replay. Mais pour l'instant, on est en train de faire ça. J'essaie de sélectionner l'enclos pour voir les limites. Non mais je sais bien où elles sont. Hein. Ah non, là. Ah ouais, bien vu. Non, t'as raison. Parce qu'ici, il doit y en avoir. Après, c'est pas non plus énorme. Là, il n'y a pas l'herbe, c'est que de la roche. Que de la roche. Et si on l'avait fait? Nous manque 1%. Ça va. Ça va. Et pour les ours? Les ours, on est bon. Ok. Je sais pas où c'est. En plus, de toute façon, on va poser des trucs, ça va cacher certains pourcentages. Et du coup, ils vont dire, ah bah non, c'est plus bon pour poser un pourcentage de terre, parce que machin... On va nous faire galérer. Alors. En dessous, pas collé à elle, mais sur le creux. Comment ça, en dessous, pas collé à elle, mais sur le creux. Pourquoi il y a une pub à gauche de mon écran? Enfin, c'est Twitch, quoi. Ils veulent gagner des sous. Alors, je mettrais bien un peu de roche ici, mais je crois qu'il n'y a pas... On peut pas se permettre d'en avoir de trop. Je vais vérifier, mais je crois que ça va être trop pour lui. Ah non, c'est bon. Ça passe. Ok, alors, du coup, nature. Arbre. Escaladable. Tamarinier, c'est escaladable. Intéressant. Je vais peut-être leur mettre une structure d'escalade. Directement à partir de là. Refaire un peu comme j'ai fait pour les orang-outans. Ah, je trouve ça c'est suffisant d'ailleurs. Dommage. Oh, 16 mètres carrés. Oh, c'est pas énorme. Hein. 132 pour les deux. 132 pour les deux. Donc, s'il y en a un de bon, l'autre est bon aussi. Oh, c'est un peu immense, ça. Oh, c'est un peu immense, ça. C'est trop grand, ça. Je suis pas fan. Je suis pas... C'est trop. I don't want this. Oh, par contre, on pourrait se faire un mini pont là. On pourrait se faire un mini pont qui servirait en plus aux employés. Ça permettrait d'avoir un semblant de... d'escalade. Et les employés pourraient l'utiliser, je pense. Je vais écarter, mais pas complètement. Juste comme ça.
J'aligne au point gris. Hein. Ça compte comme de l'escalade en plus, j'imagine. 61 mètres carrés. Mais en dessous, pas collé à elle, mais sur le creux. Oui, un peu en bosse. Comment? De quoi? Comment? De quoi vous parlez? J'ai pas suivi. Ouais. Un pont qui fait boss. Ah ouais, on peut. On peut essayer de faire un truc qui fait boss, ouais, je comprends. Dans la texture application auto, c'est un peu galère. Est-ce qu'ils m'ont remis de l'herbe haute là? Un peu en boss. Ah, on peut faire un pont suspendu, quoi. C'est ça que tu veux dire. Je l'avais fait avec quoi, ce pont, le pont suspendu ici? Ouais, je l'avais fait avec ça. Ah, c'est pas mal en vrai. Hein. Je sais pas ce qu'on va y reprendre des bases. Attendez, je vais reprendre la base. C'est un pont. Dupliquer. C'est pareil du groupe. Parfait. Salut Nolano. Je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi. Wouhou. Alors, on va modifier un petit peu les angles. Ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'au final... Ah, c'est deux, d'accord, ok, c'est deux différents. Hop. Salut Bebeuf, comment vas-tu? Les angles sont pas bons. Si elle voit que le pont est très bien construit. Alors attendez. Comme ça. Ça va être une misère. Ok. Yeah. Ah mais
ouais, t'es sérieux là, c'est tellement pas droit ça. Enfin, c'est pas bien mis ça. Comme ça. Ok. Alors, ça fait pas. Mais bon. Le truc c'est que comme on a des barres, ou alors on met pas les barres. On peut ne pas mettre les barres. On peut ne pas mettre les barres. Et du coup, nous se permettre d'avoir un angle un peu plus arrondi. Ah, ça peut être une idée. Parce que tout est suffisamment collé. On pourrait envisager un truc genre... T'as déjà des ponts suspendus, tout ça. Tout fait dans le jeu aussi. Ah ouais? Bon, ils sont pas très beaux en vrai. Bon, après, le mien est pas très beau. Hein. Pont. Pont. Ah ouais, ceux-là. Ah mais ils sont vieux. En fait, ils sont bien en vrai. Gamer, ils sont bien. Ils sont bien mais j'aime pas la couleur. Et on doit pouvoir la modifier. C'est pas si mal. Quoi? Oh mince, ils appartiennent au... Ah parce que... Si j'en combine deux. On fait un test. Salut Vivi, comment vas-tu? On dirait du caca. Eh bah c'est dans un enclos. Hein. Ah mais c'est pas un plan en fait. Ah on peut pas modifier le truc, c'est pas un plan. Ah du coup c'est chiant. Okay. Par contre les planches c'est mieux. C'est mieux que les rondins. Mais c'est pas escaladable les planches j'imagine. Planche. Grand, hein. Un peu large. Les rondins sont chouettes, je trouve. Ah ouais? Ouais? Ok. Ok, ok. Bah écoutez, si vous aimez les rondins, on va laisser les rondins, hein.
sélectionner. Ça fait un peu moins... Ouais, que je penche un peu comme ça. Oh yeah! Wouhou! C'est léger, mais il faut que ce soit léger, je pense. Ça fait encore très, tu vois, pas très arrondi. J'ai les mains gelées. T'as arrêté la première rediff? Non, pas encore. Parfait. Ah ouais? Je trouve que c'est encore un peu pointu, moi. C'est bien? Ah ouais? Je trouve que ça fait encore pointu. C'est mieux. C'est mieux. Il faut, je pense, arrondir encore un peu. Plus sur le milieu de chaque... Ouais, ouais. C'est mieux, là. Le silence. Je suis concentré. C'est mieux, là, non? Ouais, c'est mieux. Bonsoir, Fanny, comment vas-tu? Oh, yeah! Bon, du coup, on est pas mal. Avoir terrain. Mettre ça comme ça histoire que. Histoire que ce soit bon. Tu pourrais faire un tour du parc? Bah, le parc, c'est ça. Hein. Ouais. On est sur le deuxième enclos donc. T'as raté un message de Vivi, tu lui demandant si tu pouvais faire un tour du parc. Ah, bah, du coup, je viens de le voir. Merci. Passé de bonnes vacances? Ouais, ouais, ça a été parfait, même. Merci beaucoup. J'espère que de votre côté, tout s'est bien passé aussi. 36 mètres carrés. Et ici, 41. Pourquoi? Parce que j'imagine que les ours passent peut-être pas sur le pont. Si, ils passent. Mais c'est pas très grave. Je fusionne l'ensemble. Et je vais mettre un peu en nature. On est en Asie tropicale. Est-ce qu'on a des trucs à faire pendre? On a un peu de liane à faire pendre. Aligné sur la surface. Un petit peu grand. Ah non, en vrai, c'est des lianes, hein, ça tombe, hein, ça se met pas en fonction de... Merci beaucoup, bienvenue Nico Paco, bienvenue à toi. C'est pas mal. Nya! Uh-huh.
Bon, il faudrait que je fasse pareil de l'autre côté, mais sans que ce soit identique, quoi. Ok. Ça te tente pas de nous faire un petit enclos papillon tortue un de ces jours? J'ai essayé, ça marche. Tant que tu passes sur cet enclos. Papillon tortue? Bah j'ai jamais testé les volières encore. Du coup je sais pas. Après tu sais on passe, c'est Planetzo, on passe du temps sur les enclos. Hein. Pas comme Jurassic World l'évolution où tout va très vite. Parce qu'au final c'est assez simple. Eh, pas mal, hein? Non? Si ça colle hier, on le verra pas aujourd'hui. Comment ça? Et les chauves-souris aussi, ouais, on a vu, ouais. Je sais quoi, le jeu, les enclos vont encore plus vite. Clairement. Ah, il est bien ce pont. J'aime bien. J'aime bien. Puis le fait d'avoir ajouté un peu d'arrondi là casse aussi le fait que ce soit pas forcément pile poil arrondi. Ce serait bien d'avoir des cordes arrondies. Ça existe pas ça, ils en ont pas mis encore. D'accord. Ah si, ça existe. Oh, on va peut-être les remplacer. Oh, on va les remplacer les cordes. Quatre mètres. Jeu de mots volière là, si tu lis pas correctement aussi. Si ça volière. Pardon. Effectivement, j'avais pas bien. Tac. Ah mais l'angle est un peu trop courbé quoi. C'est un peu trop courbé quoi. Ah après c'est celle-là. Hein. Celle-là qui est pas si mal. Celle-là qui est pas si mal au final. C'est pas mal. Non? Qu'est-ce qu'on en pense? Ah bon? Ah mais c'est... Quoi? Mais comment tu peux tourner et avoir le haut toujours en haut? Pas toujours à droite? C'est étrange cette histoire, c'est étrange. Ah bah non, c'est parce que... Ah oui, non, pardon. J'ai compris. C'est bien mieux. Bon, ça va.
Si, on va les rapprocher les barres là. On va valider comme ça. Oh, vache, rien qui est bien, bien construit en fait. Hein. Absolu. Les planches, elles sont pas bien mises. Hein. On n'est pas sur un pont parfait. C'est mieux. C'est mieux. C'est quoi ça, LVP? C'est level up. C'est monter de niveau. Il est pas mal ce petit pont. Ok, c'est validé. Ouais, on a pris un peu de temps à faire ce pont, mais on aime bien. Alors, nature. Sachant que c'est pas fini, il en faut plus d'éléments d'escalade. Et on va voir si quelques tamariniers et autres sol pleureurs suffiront à amener l'escalade suffisant. Je vais mettre là, pile devant là. Ouh, comme ça, ça te cache un peu la vue. Et là, t'es heureux. Y'a quoi d'autre comme arbre? Capoquet. Okay. On peut mettre, hein. On peut mettre le capoquet, mais c'est vrai que c'est immense. Hein. C'est immense un capoquet. Hein. Est-ce que ça a augmenté à 141 mètres carrés? 105. C'est pas encore assez pour les ours. Est-ce que... Ça n'a pas calculé comme escaladable. C'est bon. On a ce qu'il faut avec les arbres. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire leur abri, là. Je considère que c'est bon, mais je vais quand même leur faire une grotte. On allume la torche. Hop. Habitat. Dodo. Est-ce que je l'ai pas mis trop loin et qu'il n'y a pas un point de fuite éventuellement derrière? Non. Tout va bien. Bon, la grotte est prête. La grotte est prête. J'ai presque envie de tenter un truc. Hmm.
Attendez, j'ai envie de tenter un truc. Je réfléchis juste où le mettre. Parce qu'ici, ça nous obligerait à... Après, l'ours escalade pas trop. Il me semble. Parce que je ferais bien une sortie de grotte genre là, pour qu'il puisse venir marcher ici. Mais il faudrait pas qu'il puisse sortir. Je vais mettre du caillou. Faut pas qu'il puisse sauter quoi. En un an, Roy fait combien de lives? Bah j'en fais du lundi au vendredi. Voilà. Après, à toi de calculer. Si je fais un truc comme ça. On fera la déco au bord après. Et je vais essayer de voir s'il y a moyen de faire un trou. Ici pour accéder dans une pente à peu près douce. Voilà. Alors, maintenant qu'on est arrivé là, où est-ce qu'on est ? Ici. Quoi ? Oh non, il nous a fait remonter. On arrive à peu près là. Il y a certainement un meilleur moyen de faire ça. Il y a très certainement un meilleur moyen de faire ça. Avec ça potentiellement. Laisse-moi prendre du recul pour voir dans quelle forme t'es, hein, parce que là, on voit pas trop. L'angle est pas bon. Je vais tourner un peu comme ça. Et je vais tourner un peu comme ça encore. Voilà. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Très, très mal utilisé ça. On va pas faire comme ça. On va faire à l'ancienne. C'est quoi qui se gêne là? Pourquoi tu passes là mais pas là? L'angle? Bonjour Benoît, tu contrôles toujours au taquet. Tu connais Roy toujours au taquet. Comment ça par rapport à quoi? Si je me fais 1000 pièces à chaque live, il faut que je regagne 250 lives. Bon toi tu passes, ça fait plaisir mais c'est pas que pour toi. Oh,
c'est pas... Passer, c'est passer, l'angle est pas bon. Hein. L'angle est pas bon. Hein. Si c'est pour arriver ici... On va faire autrement. On va faire autrement. Je vous supprime ça. Je vais simplement vous décaler votre grotte plus par là. Habitat. Voilà. Et du coup, à partir d'ici, je devrais pouvoir vous trouver le moyen. Et moi qui te regarde sur YouTube et qui est toujours à l'enclos des hippos. On n'est pas sur le même enclos, enfin sur le même zoo, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ok. Excuse-moi mon pépère, je te bouge, mais c'est pas contre toi. C'est pour pouvoir te faire monter. Voilà. Faut agrandir le trou. Tu crois que c'est qu'une question de taille? Là, il se faufile. Tu payes pas quand tu utilises les 250 000 de jetons? Comment ça, tu payes pas? D'argent? Ah non, non. Il y a un combat entre des ours malais, apparemment. Ah. Tant pis. On l'a pas vu. Ah ? Ah ? Let's go ! Parfait, ça passe. Ah, ça, ça fait plaisir. Il y est déjà en plus. Merveilleux. Pour devenir VIP. Non, 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 non. Ah non, vous payez pas pour devenir VIP. Hein. Vous payez par le temps que vous êtes là, quoi. Vous gagnez des points gratuitement, les points de chaîne Twitch, quoi. Les pièces d'or sur la chaîne. Une fois que vous les avez, vous les dépensez pour dire j'ai envie d'être VIP. Et une fois que vous avez envie d'être VIP, voilà. Parfait. Une fois que vous avez envie d'être VIP, pardon, bah... Je vous mets VIP. Une fois que vous avez dépensé les points. Et du coup, il n'y a pas de point de fuite. Donc ça, c'est parfait. Et pour les bâturons ? C'est gros quand même, hein, par rapport à l'ours. Il n'y a pas de point de fuite non plus. Et parfait. Voilà, comme c'est beau. Comme c'est bon. Très bien. Alors, ensuite, nature. Rocher. On va mettre un peu de cailloux. Est-ce qu'on entoure l'entrée par de la roche ?
Non. Non, 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 non. Ah, tu vois qu'on parle même quand tu joues. Ouais, non, bah ça fait plaisir. Ah, je vais peut-être couper pour le replay, d'ailleurs. Faire une sauvegarde au passage.